Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le tag Pourquoi ce prénom partie 2. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais piocher 6 petits bouts de papier comme la dernière fois et je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné ce prénom à ce cheval. Donc je vais commencer et là on va avoir Prince. Prince, en fait, c'est quasiment le plus vieux du club. Voilà. Donc, c'est un peu le prince, en fait. Il se fait chouchouter par toutes les cavalières et tous les cavaliers. Donc, tous ceux qui montent au club. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais l'appeler Prince parce que, du coup, c'est un peu... Un prince, même si j'aurais pu l'appeler roi, mais je trouvais que roi ça sonnait pas très bien, donc je l'appelais prince. Et là, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Rio. Il est là. Désolée, j'ai pas pu enlever ce filet, sa selle et Stéphanie. Parce qu'en fait, il était en cours de saut d'obstacle et du coup, bah, j'ai pas eu le temps. Donc, Rio, en réalité, c'est une femelle. Mais en fait, à la base, quand j'ai commencé, je l'ai eu assez tôt. Et je savais pas qu'en fait, on pouvait savoir si c'était une fille ou un garçon. Par ici. Et du coup, bah. En fait, quand je le regardais, je trouvais que c'était un garçon, donc du coup je l'appelais Rio. Et en fait, finalement, ma copine, elle m'a dit, non, non, c'est un garçon. Faut que... Non, non, pardon, c'est une fille. Faut que tu regardes à un endroit et tu verras que c'est une fille. Donc du coup, j'ai regardé et c'était bien une fille. Mais je trouve que Rio, ça lui va bien, donc je suis restée sur ce prénom-là. On va passer à Niska. Alors, il est où Niska? Donc, Niska, c'est ce petit poulain-là. Donc, en fait, je l'ai appelé Niska par rapport à sa tenue. À sa comment il est positionné en fait, sa position. Parce qu'en fait, on dirait un peu un rocker quand vous le voyez de haut. Vous voyez? On dirait un peu son encolure, on dirait un peu que c'est un rocker. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lui donner un nom de rappeur. Et puis du coup, j'ai trouvé Niska. Et puisque c'est un petit gars, bah du coup, c'est pour ça que je lui ai mis ce prénom-là. Maintenant, on va passer à Flash. Il est là. Il est un peu grand. Donc, Flash, en fait, c'est un mâle. Donc, en fait, j'adore ça. J'adore sa couleur, sa robe et sa crinière. Parce que regardez, c'est un peu une flamme en fait. C'est... Voilà. Et j'avais regardé des vidéos Slash avant de faire ma propre chaîne. Et j'avais vu quelqu'un qui l'avait déjà appelé Flash. Et du coup, bah, qui l'avait déjà appelé Flamme, pardon. Du coup, puisque dans ma petite tête, c'est le plus rapide du club, et ben du coup, j'ai décidé de l'appeler Flash. Voilà. Plus que deux encore. Et on va passer à Victoria. C'est une jument arabe. Donc, elle est bête.
Victoria, pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce que déjà je connais un cheval, enfin c'est un poney. Je connais une ponette qui s'appelle Victoria. Et dans ma tête, je me suis dit que bah en fait le caractère de la ponette Victoria, et ben ça allait bien à cette jument. Du coup, j'ai décidé de l'appeler Victoria et du coup, elle a pris le caractère de la ponette Victoria que je connais. Donc, elle a un sacré caractère, Victoria. Et là, on va passer à sa sœur. Donc, Bella, pourquoi je l'appelle comme ça? Donc, c'est la sœur de Victoria. C'est aussi une arabe, jument arabe. Parce qu'en fait, elle est superbe. Mince, je suis toute tombée. Elle est superbe, cette jument, je trouve. Et elle est belle. Je trouve qu'elle est plus jolie que sa sœur. Désolée, Victoria. Mais je trouve qu'elle est plus jolie que sa sœur au niveau de sa robe. Parce qu'elles ont la même posture. Et du coup, je me suis dit que bah, j'allais l'appeler Bella. Et puis en plus, c'est ma cousine, quand elle est venue jouer chez moi, et ben, elle a joué avec cette jument et elle l'avait appelée Bella. Et du coup, je trouvais que ça lui allait assez bien. Et du coup, bah, je l'ai laissée comme elle l'était. Et du coup, bah, je trouve que ça lui va assez bien. Donc, voilà pourquoi je l'appelle comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!